Ah d'accord. Il y a plus de 20 ans, Frédéric le Premier. Allez, Pascal. Allez, Corentin. Allez, allez. Allez, à deux pieds de l'arrivée, le test est en train de se faire reprendre à l'entrée de la chemin. Allez Corentin, c'est bien Corentin! Les 12 derniers kilomètres, le coureur de la Suisse Cherbourg en Cotentin qui avait notamment terminé 5e du prix d'ouverture à 5 kilomètres cette année. Chrono, mon cher André, même pas. Allez, 30 secondes pour répondre. Allez, il est costaud, hein, le coureur de la Suisse Cherbourg en Cotentin, on l'avait vu hein, déjà dès l'attaque de la montée de Ferrier-en-Bovicel. Il avait faussé compagnie à ses camarades d'échappée. Oui, allez, dernier tour. Dernier tour ici avec le coureur, voilà le. Tenant du titre hein, de ce tour du canton, Byron Chevalier, celui qui avait remporté la dernière édition. Et on a donc Paul François. Allez Corentin, c'est bon pour toi. C'est le dernier tour avec Frédéric Le Crony là, qui emmène ce peloton, le vainqueur. Allez Torigny. Aide-moi un peu là. Attention les gars. Le dernier tour. Cet après-midi, quelle démonstration nous a fait le coureur de la Suisse Cherbourg en Cotentin. À une ovation pour le coureur Adrien Le Terrier. Voilà, il n'a pas gagné. Avant là, depuis la crise du Covid, cette démonstration, le coureur de l'AS Cherbourg en Cotentin, donc, qui remporte l'épreuve et le titre également de champion de la Manche des troisième catégorie. Et on attend maintenant la suite pour la deuxième place, les deux dernières marches du podium également des championnats de la Manche. Alors, est-ce que l'on va avoir un sprint pour la deuxième place à moins que des coureurs se soient détachés là
dans le dernier kilomètre avant de nous rejoindre. Ah, c'est un coureur mortonnais. Voilà avec Paul François Jutel qui va nous rejoindre pour la deuxième place et qui va empêcher le doublé. Il va empêcher le doublé de l'AC Cherbourg. Et on va laisser tout le monde en terminer gentiment. Voilà, le coureur a branchiné ici.